Cheyenne Coy. J'ai mis un moment avant de comprendre ce qui m'arrivait quand j'ai découvert Cheyenne Coy. Dans un premier temps, c'est tout un bricolage d'artefacts venus du monde d'aujourd'hui, de demain peut-être, toute une série d'éléments, de signaux faibles, de petites particules que le futur a commencé à semer dans notre présent et qui tout d'un coup s'envolent, émergent, explosent. L'art de l'assemblage de Cheyenne Coy. Assemblage comme un grand vin, comme un cru, un grand cru de futurologie, d'anticipation, de regard sur le monde qui vient. Tout est là, dans chacune de ces mises en scène qu'il a eu l'intuition de réunir, mais dont on se doute bien qu'elles ne sont pas venues par hasard. Elles se sont installées dans le territoire de son théâtre d'imaginaire, de coupage, de découpage et d'organisation, pour en faire une sorte de symphonie d'effets spéciaux du monde qui vient et dont on sait qu'ils sont vrais et dont on sait qu'ils sont là pour nous annoncer quelque chose. Ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles du monde qui vient. Ce sont des faits qui s'établissent, qui descendent du futur, qui viennent jusqu'à nous et nous n'avons plus qu'à rentrer dans cet univers pour essayer de voir ce que nous allons en faire. Et c'est bien le projet de ce festival d'anticipation que de prendre en compte des informations venues du futur pour essayer de voir comment nous allons nous débrouiller avec.